Bien, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur notre site virtuel, les gens de Beresford, de Shediac et de Edmundston et de d'autres endroits. Je suis le pasteur Luc Poirier, ça me fait plaisir de vous accueillir et j'espère vraiment que ces messages sont une source d'encouragement et de réconfort pour vous et surtout durant la pandémie que nous traversons présentement. Et j'aimerais aujourd'hui vous partager un autre message vraiment sur le thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour l'année 2021. C'est le thème « Achever la course ». Le titre du message aujourd'hui, c'est « Courir de manière à remporter le prix ». Et pour ceux qui nous joignent peut-être pour les premières fois, vous êtes nouveaux, nous avons vu, vous savez que Dieu a un plan pour notre vie et qu'il a conçu des pensées. Dans ses pensées, il a conçu vraiment un projet de vie pour nous-mêmes avant notre naissance. Et Dieu, il nous a aimés. Il nous aime, nous sommes voulus, on n'est pas un accident. Et lorsqu'il nous a fait, il nous a équipés aussi avec des dons, des talents, des capacités. Il a préparé des œuvres pour chacun de nous qui veut accomplir à travers de nous et avec nous pour le bien de notre monde. Et Dieu aussi a choisi un moment dans notre vie, vous savez, pour nous révéler son amour à travers Jésus-Christ, ce que Jésus a fait sur la croix, pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, qu'on soit réconciliés avec Dieu, qu'on ait la vie éternelle. Et ce plan de vie, il est comparé à une course dans la Bible, à un marathon. Et c'est un peu pourquoi l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course ». Vous savez, le désir de Dieu pour chacun de nous, c'est que lorsque nous arrivons à la fin de notre vie terrestre, nous puissions dire aussi « J'ai achevé ma course et la couronne de justice m'est réservée. » Dieu est prêt de nous aider en tout temps. Il a promis de ne jamais nous abandonner, même de nous relever lorsque nous tombons. Et pour achever une course, nous savons qu'il nous faut bien sûr de la force et de l'énergie pour y arriver. Et nous avons parlé justement dans les dernières semaines de l'importance de se reposer physiquement, parce qu'en se reposant physiquement, nous renouvelons nos forces, vous savez. Mais nous avons vu aussi que tout comme nous sommes des êtres physiques et que nous avons besoin de repos physique et de bonne nourriture saine, parce que nous sommes des êtres aussi émotionnels, spirituels et intelligents, nous avons besoin de la même chose dans nos pensées. Se reposer mentalement et spirituellement. Et prendre le temps, vous savez, de se reposer et bien nourrir nos pensées. Ce sont des disciplines nécessaires pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Nous avons vu ce sens. Le mot que nous n'aimons pas peut-être entendre ici, vous savez, c'est le mot « discipline ». Notre nature humaine n'est pas portée naturellement à la discipline. Nous savons bien qu'un enfant laissé à lui-même, est-ce qu'il développera la discipline nécessaire pour démontrer le respect envers ses parents, envers les autorités, envers les enseignants? Est-ce qu'un enfant laissé à lui-même développera la discipline de se coucher à une heure raisonnable et de manger une bonne nourriture? Non. Un enfant, nous savons, a besoin d'apprendre, de développer des disciplines, vous savez. Et bien sûr, la discipline, ce n'est pas une chose facile pour aucun de nous. Et même pour moi, je sais qu'il y a des gens qui croient que je suis une personne qui est disciplinée, mais je peux vous dire que ce n'est pas facile non plus. Et nous apprécions tous les bénéfices de la discipline, mais nous n'apprécions pas la discipline comme telle, souvent. Et c'est comme les athlètes aussi, vous savez, qui veulent gagner un prix. Même pour l'apôtre Paul, vous savez, la discipline n'était pas une chose facile. Et ça ne sera jamais facile pour qui que ce soit. Mais avec l'aide de Dieu, je peux vous dire que nous pouvons y arriver, c'est réalisable, et que nous pouvons bénéficier de les résultats d'une discipline. Je vous avais parlé concernant la discipline du repos dans la dernière semaine. Il existe d'autres disciplines, bien sûr, qui sont nécessaires, qui sont peut-être un peu plus difficiles. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la discipline, oui, de courir de manière à remporter le prix. Et je crois que c'est une discipline très importante, surtout pour ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ dans leur vie, pour accomplir tout ce que Dieu voudrait qu'ils accomplissent en eux, à travers eux. Et je veux voir avec vous, qu'est-ce que ça veut dire, ceci, vraiment, de courir d'une manière à remporter le prix. Et si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous tourniez dans le texte
que nous allons voir aujourd'hui ensemble dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 24 au verset 27, qui nous dit ceci. C'est dit, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais non pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » J'aimerais que l'on prie à ce temps ici. Mais Père Céleste, je prie que tu nous aides aujourd'hui à comprendre les bienfaits de la discipline dans notre vie. Je prie que tu nous aides à comprendre aussi, Seigneur, que tu es prêt de nous aider là où nous sommes faibles. Et je prie que tu nous aides à comprendre aussi qu'est-ce que tu veux nous dire lorsque tu nous demandes de courir de manière à remporter le prix, de vivre notre vie chrétienne, notre foi avec toi, Seigneur. Comme un coureur qui cherche à remporter le prix, je prie, Seigneur, que tu parles à chacun de nos cœurs aujourd'hui, à tous ceux qui m'écoutent. Et pour ta gloire, je te demande ces choses, au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire de courir de manière à remporter le prix? Tout d'abord, je dirais que c'est comme courir avec un objectif précis. Nous lisons dans le verset 24, vous savez, je vais simplement le relire. « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Dans la ville de Corinthe, il y avait un stade, vous savez, et des compétitions, on nous dit, à tous les 2-3 ans. Et les Jeux, c'était des Jeux qui étaient très importants. C'était les deuxièmes Jeux les plus importants après les Jeux olympiques. Et c'était une image, le stade et les coureurs qui étaient très familières aux Corinthiens, à qui Paul s'adresse ici. Et aussi, c'est une image qui est familière pour nous encore aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais regarder le contexte, vous savez, de ces paroles que Paul a dit pour nous aider à comprendre ce que vraiment Dieu veut nous dire à travers de Paul. Et l'apôtre Paul, ici, dans le chapitre 9 aux Corinthiens, il vient tout juste de parler de la façon qu'il a volontairement choisi de ne pas revendiquer ses droits personnels en tant qu'apôtre et ministre de l'Évangile. Différents droits légitimes qu'il avait, et entre autres, son droit d'être rémunéré pour son travail. Nous voyons ici que Paul, même s'il avait des droits et qu'il était libre de faire valoir ses droits, il était prêt de mettre ses droits de côté pour ne pas créer d'obstacle à la proclamation de l'Évangile. Parce que son objectif premier, Paul n'était pas de revendiquer ses droits ou ses privilèges, mais ce qu'il désirait avant tout, c'était plutôt de voir le plus grand nombre de personnes venir à la connaissance de Jésus-Christ, à l'amour de Dieu manifesté en Jésus, pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle et un jour connaître l'éternité dans un nouveau corps glorifié et régné avec Dieu. Dans le verset 19, il dit ceci, il dit « En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Paul était concerné pour les gens autour de lui. Hein? Il voulait qu'ils connaissent l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et avec ceux qui étaient juifs et qui étaient religieux, il ajustait son message et sa conduite pour ne pas créer des obstacles dans leur foi, pour qu'ils viennent à Jésus. Avec ceux qui n'avaient aucune connaissance de la Bible ou de l'Ancien Testament et qui n'étaient pas religieux du tout, il ajustait son message aussi, sa conduite, pour les gagner à Christ. Paul ne compromettait pas la vérité et le message de l'Évangile. Et il était un homme libre, mais il était prêt de limiter sa liberté pour le bien des autres. Sauver le plus grand nombre était son objectif dans sa course. Et nous voyons ceci dans le chapitre 9. Et ceci lui demandait une discipline personnelle, l'abstinence volontaire de certaines choses pour le bien des autres. Un peu comme un athlète qui court dans un stade et qui veut gagner le prix, il doit s'abstenir de certaines choses volontairement pour avoir la forme physique nécessaire pour être capable de gagner le prix. Et comme un coureur dans le stade, vous savez,
Paul avait un objectif précis, en sauver le plus grand nombre. Et à cause de cela, il était prêt de sacrifier plusieurs de ses droits et même certains privilèges en tant que serviteur de Dieu pour enlever tous les obstacles vraiment possibles. Et courir de manière à remporter le prix, comme un athlète, vous savez, c'est courir, oui, avec un objectif précis. Et nous avons besoin de bien définir notre objectif dans notre vie. Quel est notre but premier dans notre vie, vous savez? Parce que c'est notre objectif qui va nous motiver à la discipline nécessaire pour remporter le prix, pour obtenir ce que nous recherchons premièrement. Et en tant qu'enfant de Dieu, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie déjà, comme leur sauveur, vous savez, nous devons prier que Dieu nous donne d'avoir un objectif précis, d'avoir un amour aussi dans notre cœur, un amour comme l'amour de Dieu, un amour pur pour les gens autour de nous, afin qu'eux aussi puissent connaître l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'un objectif précis, et ceci va nous aider à développer la discipline nécessaire que nous avons dans notre vie, comme l'apôtre Paul. La deuxième chose que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, que veut dire courir de manière à remporter le prix? Je dirais, c'est courir avec tout son cœur, avec tout notre cœur. L'apôtre Paul dit au verset 25, il dit, « Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. » Vous savez, à cette époque, à Corinthe, où il y avait des compétitions d'athlétisme, et ça, et il y avait seulement un gagnant à cette époque. Et le gagnant recevait une couronne de laurier avec des feuilles de pin, on nous dit. Il était honoré dans sa ville, il avait une place privilégiée lors des prochaines compétitions dans des endroits. Et c'était un honneur qui était très recherché. Mais la couronne qu'il recevait ne durait pas très longtemps. Et Paul ici, ce qu'il nous dit, c'est que si pour nous notre prix, en fait, il est indestructible, incorruptible, que nous recevons une couronne incorruptible, une récompense éternelle, avec des fruits qui demeurent, vous savez, à plus forte raison, ne devrions-nous pas courir avec encore davantage de zèle pour gagner le prix, pour rechercher ce prix? C'est un peu comme si quelqu'un, vous savez, nous offre une médaille en or ou une médaille en tissu. Ne devrions-nous pas mettre notre ardeur plus pour la médaille d'or? Il y a des gens aujourd'hui, vous savez, qui dépensent beaucoup d'énergie pour des choses dans la vie qui ne durent pas très longtemps et qui n'apporteront pas avec eux non plus lorsqu'ils vont quitter ce monde. Ne devrions-nous pas investir nos efforts aux bons endroits pour remporter des prix qui demeurent éternellement, comme un coureur qui court de manière à remporter le prix, le bon prix? Nous devrions rechercher ces choses. Et avec Jésus, vous savez, avec le Seigneur, ce n'est pas seulement une personne qui gagne le prix, mais nous pouvons tous gagner le prix. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Et ici, nous voyons dans ce texte, vous savez, que le désir de gagner le prix, le désir vraiment de bien réussir, d'avoir un objectif de victoire, ce n'est pas mauvais en soi. En fait, Dieu n'est pas contre le désir de bien réussir. Il nous encourage dans cette direction-là, pourvu que nos ambitions soient bonnes et qu'elles soient pures à ses yeux, que nous avons un bon objectif. Et l'apôtre Paul, ce qu'il dit ici, lorsqu'il dit vraiment aux Corinthiens de courir de manière à remporter leur prix, le prix... Il leur dit de courir avec détermination, avec entrain, avec zèle, avec le désir de voir la gloire et la bonté de Dieu manifestée à travers eux et dans leur monde, le désir de faire une différence pour le bien, pour le royaume de Dieu. C'est ça qu'il leur dit, d'avoir du zèle, de courir de tout leur cœur. Dans un autre endroit, l'apôtre Paul le dit de cette façon, dans Romains, le chapitre 12 et le verset 11, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et dans une autre traduction, il dit « Soyez bouillants d'esprit. » Et ici, avant que vous me dites « Pasteur, c'est trop pour moi.
je suis déjà fatigué, je suis épuisé. Ce que tu me demandes, c'est trop pour moi. Ce que tu me dis, c'est trop. Laissez-moi vous expliquer un peu ici. Jésus, il nous dit, vous savez, il nous a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Lorsque Jésus nous appelle à venir à lui, il nous appelle à venir à son repos, à se reposer en lui. Et la Bible ne se contredit pas lorsqu'elle nous dit de courir pour remporter le prix. Lorsque nous acceptons et recevons les instructions de Jésus, il y a un repos, une paix, une force qui vient en nous. Nous renouvelons nos forces. Mais permettez-moi ici de revenir avec le parallèle de notre santé physique. Dans notre corps physique, nous renouvelons nos forces lorsque nous reposons. Notre corps, le sommeil, le repos, nous renouvelons nos forces lorsque nous avons une bonne alimentation saine. Et ces deux disciplines sont nécessaires pour avoir des forces suffisantes pour être bien, être en santé, profiter de la vie. Mais il y a une troisième discipline aussi qui est importante, qui est essentielle, autant que les autres, et c'est l'activité physique. Seulement dormir n'est pas la solution. Seulement manger n'est pas la solution. Seulement manger et dormir n'est pas la solution. Dormir, manger sainement et faire de l'exercice, des activités, faire travailler nos muscles, c'est nécessaire pour renouveler nos forces, pour avoir une bonne santé. Une bonne marche, ça fait du bien, un peu d'activité. Ceux qui font du sport, ceux qui font des choses. Je ne vous apprends rien de nouveau ici. Mais comme enfant de Dieu, comme croyant, dans notre vie spirituelle, pour renouveler nos forces, pour affermir nos forces, c'est la même chose. Oui, il faut se reposer dans le Seigneur, il faut bien nourrir nos pensées, et il faut accepter de servir le Seigneur. Il faut exercer nos muscles spirituels, notre cœur, comme un muscle spirituel. Et Dieu nous a donné des dons, des capacités, il nous donne aussi des opportunités pour le servir. Et courir pour remporter le prix, c'est un peu comme accepter, oui, de servir le Seigneur, de s'entraîner avec zèle et empressement, d'y mettre tout notre cœur. Et servir le Seigneur, ce n'est pas seulement dans une église que ça se fait. Ça se fait partout, n'importe quand, avec n'importe qui. Par exemple, dans votre famille, avec vos enfants, votre époux et votre épouse, vos parents, vos beaux-parents, vos frères et sœurs, des enfants peut-être même de foyers d'accueil que vous recevez. Lorsque vous prenez soin de ces personnes et que vous le faites par amour pour eux et pour le Seigneur de tout votre cœur, vous êtes en train de servir le Seigneur, oui. L'apôtre Paul a dit aux Colossiens, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Oui, il dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur, de tout votre cœur. » Vous savez, si vous êtes limité dans vos capacités ou vos opportunités d'aller à l'extérieur de votre maison ou de différents contextes où vous êtes, offrez au Seigneur ce que vous pouvez faire et faites-le de tout votre cœur pour le Seigneur. Mettez-y votre cœur pour le Seigneur. Et c'est ça courir pour remporter le prix. C'est ça que Dieu désire de chacun de nous. Et aux yeux de Dieu, ce que vous offrez au Seigneur de tout votre cœur, c'est une offrande qui lui est agréable, autant que n'importe quelle chose qui peut sembler grandiose aux yeux du monde. Jésus a dit ceci dans Matthieu, le chapitre 25. Il a dit, vous savez, « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Et un peu plus loin, il dit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Oui, c'est Jésus que nous servons lorsque nous lui offrons notre vie pour le servir de tout notre cœur, avec les gens qui sont autour de nous. Jésus a dit aussi ceci dans Luc, le chapitre 21. Il a dit, à propos de l'offrande d'une pauvre veuve, ça dit, « Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres,
car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous savez, cette veuve-ci, elle a donné l'offrande. Son offrande avait une grande valeur aux yeux de Dieu. Nous pouvons tous offrir à Dieu un service agréable, même avec le peu que nous avons. Et courir de manière à remporter le prix, c'est simplement d'accepter de servir le Seigneur là où nous sommes, de tout notre cœur. Et si vous ne pouvez pas marcher ou si vous êtes confiné, pourquoi ne pas téléphoner ou écrire une lettre à quelqu'un, à une personne qui est seule et qui ne peut pas recevoir de visite? Soyez la voix du Seigneur, sa bouche, ou la plume du Seigneur. N'arrêtez pas de courir. Courez de manière à remporter le prix de tout votre cœur. Vous savez, nous n'avons pas besoin d'être pasteur ou de prêcher au monde entier pour courir de manière à remporter le prix. Nous pouvons tous le faire. Et ceci renouvelle nos forces aussi. Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et l'abbé nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Et courir comme un coureur qui veut remporter le prix, vous savez, c'est courir en exerçant nos muscles pour les développer. C'est en exerçant nos dons par la foi, vous savez, que nous les développons, que nous les perfectionnons, que nous les renforçons, que nous développons notre force. Et ceci, ça nous aide à achever notre course avec joie. Et le point vraiment que je veux communiquer, je vous encourage à ne pas arrêter d'exercer vos dons, à ne pas arrêter de semer de l'amour autour de vous avec votre cœur. Soyez créatifs, soyons créatifs. Vous ne pouvez pas visiter les personnes âgées dans les foyers, appelez-les, écrivez-leur une note. Vous ne pouvez pas voir vos amis, vos frères et vos sœurs à l'église. N'arrêtez pas de courir, vous savez. Contactez-les, priez avec eux, partagez avec eux une victoire, un défi, un verset, une promesse de Dieu. Oui. Courir de manière à remporter le prix, c'est courir avec un objectif précis. C'est courir aussi avec tout son cœur. Et j'aimerais aussi, vous savez, vous partager ici. Le troisième point, c'est, ça veut dire de courir en reconnaissant notre besoin de discipline personnelle. Courir. Vous savez, l'apôtre Paul a dit ceci. Il dit, « Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Depuis plusieurs années, en fait, quelques décennies, il y a beaucoup de livres et de conférences qui ont été présentés sur le sujet de l'estime de soi, vous savez, de l'importance, de la satisfaction de nos besoins personnels. Et on nous dit qu'il y a très peu de livres qui ont été écrits sur l'importance de la discipline personnelle. Une grande emphase a été portée sur l'importance de l'épanouissement personnel, au point même que des gens ont été, vous savez, jusqu'à enseigner que la discipline des enfants, même celle qui est bien administrée, est une nuisance au bon développement des enfants. Et je crois que c'est une grande erreur et notre société en subit de graves conséquences. Apprendre à vivre avec certaines privations qui nous sont imposées, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. En fait, ceci, ça nous aide à développer la gratitude, le contentement, la maîtrise de soi et le respect des gens autour de nous. La Bible nous dit que Dieu lui-même discipline ceux qu'il aime. Et parce qu'il nous aime, il nous discipline pour notre bien. Si nous voulons bien achever la course, profiter de la vie que Dieu a pour nous, vous savez, bien remplir les projets qu'il a préparés pour nous d'avance, nous devons accepter la vérité que nous avons besoin de discipline personnelle, que nous avons besoin de la discipline de Dieu aussi. J'aimerais bien vous dire le contraire, mais si je vous dirais le contraire, je ne vous prêcherais pas la vérité. Je ne vous dirais pas la vérité. Je vous dirais... Si je vous disais que vous n'avez pas besoin de discipline personnelle, je ferais peut-être comme
certaines personnes qui déclarent des choses qui plaisent à nos oreilles, mais qui ne sont pas vraiment utiles à notre vie. Courir de manière à remporter le prix, c'est courir en acceptant le fait que nous avons besoin de mettre le mort aux dents dans nos passions charnelles ou nos tendances dans notre nature pécheresse. Nous en avons, Paul a dû être discipliné, et Paul a reconnu qu'il avait besoin d'une discipline personnelle. C'était nécessaire dans sa vie. Et Paul a reconnu les endroits dans sa vie où il devait être vigilant, où il était vulnérable. Lorsqu'il dit ceci, il dit « Je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. » Vous savez, la façon que je comprends ce passage, comme si Paul, il reconnaissait les endroits où il était faible dans sa nature humaine, où il était vulnérable de tomber et de donner accès au diable. Et Paul, vous savez, il reconnaissait qu'il ne pouvait pas y arriver par lui-même et il demandait spécifiquement à Dieu de l'aider, de le fortifier, de le protéger dans ces endroits. Spécifiquement, c'est. Et il est bon aussi de mettre des mots spécifiques sur nos faiblesses et de les confesser à Dieu et de lui demander son aide pour les surmonter spécifiquement dans les endroits où nous reconnaissons que nous sommes faibles. Et l'image ici que je vois un peu lorsqu'il dit « Je cours, mais non comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. » Vous savez, l'image que je vois, c'est comme si, oui, Paul était spécifique dans ses besoins. Et c'est un peu comme, vous savez, nous pouvons prier d'une manière générale. Et la prière générale, ça peut ressembler un peu comme à courir à l'aventure un peu partout, en espérant que nous allons arriver à notre destination. Ou peut-être comme un boxeur qui frappe un peu partout et qui espère de frapper son adversaire à un moment donné au bon endroit, vous savez. Mais Paul ici, il nous dit qu'il était spécifique, vous savez. Spécifique, il y avait un objectif précis pour communiquer l'amour de Dieu autour de lui et aussi pour sa vie personnelle. Et je crois que si nous sommes attentifs au Seigneur et si nous voulons humblement, bien sûr, entendre sa voix et que nous voulons remporter le prix, faire une différence pour les gens, le bien des gens autour de nous, pour le royaume de Dieu, et si nous sommes enseignables, Dieu, dans sa grâce, va nous révéler nos faiblesses pour que l'on puisse, avec sa grâce, combattre d'une manière spécifique et efficacement les endroits où nous sommes vulnérables dans notre vie. Et je pourrais vous en témoigner quelque chose dans ma vie personnelle, mais c'est une chose qui se fait surtout dans le lieu secret avec Dieu. Et ce n'est pas toujours facile d'admettre ces choses-là. Mais un bon coureur reconnaît ses faiblesses, ses besoins de discipline personnelle, vous savez. Oui, il est prêt de travailler sur ces choses. Ce qu'un bon coureur doit faire pour gagner la course, il doit affermir les endroits où il est vulnérable et faible. Le mot que Paul utilise au verset 27, vous savez, pourrait être traduit comme « donner un œil au beurre noir ». Et c'est une illustration de la sévérité avec laquelle Paul résistait aux impulsions indisciplinées de côté dans sa nature pécheresse humaine où qu'il devait vraiment soumettre à Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour personne. Mais avec Dieu, nous pouvons y arriver. Et Dieu nous dit que nous pouvons être vainqueurs parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Nous n'avons plus besoin d'être esclaves aujourd'hui. Et c'est ce que Paul nous dit, courir pour remporter le prix, vous savez, c'est courir en reconnaissant notre besoin de discipline personnelle. Et je termine simplement aujourd'hui en disant ceci, revisant ces choses. Que veut dire courir de manière à remporter le prix? Courir, c'est courir avec un objectif précis. Avez-vous un objectif précis de voir des gens connaître l'amour de Jésus-Christ, de voir désirer le bien des gens autour de vous, faire du bien autour de vous et faire une différence pour eux? Courir de manière à remporter le prix, c'est aussi courir avec tout notre cœur
Est-ce que vous avez le désir de servir le Seigneur de tout votre cœur? Est-ce que c'est ce qui brûle dans votre cœur? Salut. Et c'est aussi vraiment en reconnaissant notre besoin de discipline personnelle. Est-ce que vous demandez à Dieu? Demandons à Dieu de nous aider là où nous avons des faiblesses. Il est prêt à nous aider. Il est prêt à nous aider. Et il veut nous aider. Il veut se glorifier. Il veut notre bien. Il désire notre bien. Et je comprends que ce message ce matin s'adresse surtout à des personnes qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ depuis déjà un certain temps, vous savez. Certainement. Mais l'invitation, vous savez, de courir la course et de courir de manière à remporter le prix, c'est une invitation qui est lancée à tous. Une invitation de marcher avec le Seigneur. Et ce n'est pas une vie qui est pénible. Non, plutôt c'est une vie qui est très agréable. C'est une course qui est remplie d'aventures, qui est excitante, de victoire en victoire. C'est ce que Dieu désire pour nous dans notre vie. Ce que nous ne pouvons pas réaliser nous-mêmes, Dieu peut le réaliser à travers de nous, en nous. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous. Il veut bénir votre famille. Il veut vous désutiliser au-delà de vos pensées, même de votre imagination. Il veut se révéler. Parfois, vous savez, lorsqu'on parle de discipline, et je comprends que ce n'est pas le sujet le plus populaire, parfois ça peut nous sembler difficile, ça peut nous ressembler à une croix. Mais comme quelqu'un a dit, cette croix-là, elle se transforme en couronne, elle se transforme en victoire. Et c'est ce que Dieu veut faire, oui. Et je vous encourage simplement aujourd'hui, oui, de dire, Seigneur, aide-moi de courir de manière à remporter le prix. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, donne-moi des objectifs dans mon cœur. Aide-moi de te donner notre cœur. Et c'est accessible à tous, c'est accessible à vous. Quelle que soit votre situation, vous pouvez offrir votre cœur au Seigneur. J'aimerais que l'on puisse prier en terminant aujourd'hui ce message. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Tu nous as créés, tu nous as donné la vie, Seigneur. Et tu es venu aussi, Seigneur. Tu es venu prendre la forme d'un homme, Seigneur Dieu, humain pour nous, mourir pour nous sur la croix, pour nous sauver. Merci, Seigneur, qu'on n'a pas besoin d'être parfait, Seigneur, pour être réconcilié avec toi et avoir la vie, mais simplement de croire que toi, Jésus, tu es le sacrifice parfait, tu es la vie parfaite, et tu as donné ta vie pour nous sauver. Et je prie que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, Seigneur, reçoivent le pardon, la grâce, la paix que tu veux leur donner en Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent, Seigneur, ton amour dans leur vie. Et je prie également, Seigneur, que tu nous aides chacun de nous, Seigneur, nous révèle ce qui est vraiment important, Seigneur, ce qui est le plus important, comme enfant de Dieu, comme personne qui marche sur cette terre, Seigneur, que nous puissions, oui, Seigneur Dieu, courir pour ce qui vaut vraiment la peine, Seigneur, une couronne incorruptible, indestructible, je te le demande, Seigneur. Oui, Seigneur, que nous soyons prêts, Seigneur, de courir avec toi, comme un coureur qui court pour le meilleur prix. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à t'offrir notre cœur, qu'importe les situations où nous sommes. S'il y a des gens, Seigneur Dieu, qui sont limités aujourd'hui, je prie que tu leur montres que l'offrande de leur cœur est une offrande que tu acceptes, Seigneur Dieu, pleinement, agréablement, qui est agréable à toi, Dieu. Je te le demande, donne-leur la créativité de te servir aussi. Et merci, Seigneur, que tu nous aides dans nos faiblesses, Seigneur. Nous ne sommes pas seuls, Seigneur, pour surmonter nos faiblesses, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu nous transformes, tu nous changes, tu nous libères, Seigneur, pour qu'on puisse connaître pleinement la vie. Et je prie que tu donnes la foi et le courage à chacun qui m'écoute, peut-être qui ont des faiblesses. Je prie, Seigneur Dieu, que tu les aides à s'abandonner à toi, à recevoir ta force dans leur vie. Je te remercie, Seigneur. Aide-nous à courir de manière à remporter le prix. C'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Mais je vous remercie encore une fois aujourd'hui pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous encourage de continuer à courir votre course et à garder vos yeux sur le Seigneur. Et nous allons tous remporter le prix pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse tout le monde. À bientôt.